Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter un sujet un peu spécial, un sujet avec les enfants en difficulté visuelle, les enfants malvoyants et les enfants non-voyants. Une association à Limoges qui est donc gérée par Caroline Chabot, qui elle-même a une petite fille non-voyante. Elle a monté son association du nom des Mains en Or. Vous pouvez aller voir donc sur internet en marquant association Mains en Or. Elle fait un travail magnifique auprès de toutes les bibliothèques de France, auprès de toutes les associations handicapées visuelles. Et elle a fait développer une application du nom de Élantil. Élantil. C'est donc sur la chaîne Vision High Tech que l'on va parler de cette application dédiée spécialement aux enfants aveugles et surtout. N'hésitez en aucun cas à partager cette vidéo, à la liker comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne nombreux. On arrive bientôt aux 25 000 abonnés et c'est vraiment énorme. Voilà donc, cette application s'appelle l'école de magie d'Elentil. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description directement pour se diriger sur l'App Store. Et cerise sur le gâteau, cette application est compatible aussi Play Store. Donc, elle est compatible les deux OS, Android, iOS. Et c'est vraiment extraordinaire. Cette application est vraiment magnifique. Les enfants, les petits-enfants et les grands-enfants d'ailleurs, si vous avez envie de vous amuser avec cette application au coût de 3,49 € pour encourager cette association. Qui va donc encore développer d'autres produits si cette application fonctionne. 3,49 € c'est vraiment rien et ça va vraiment amuser les petits comme les grands dans cette application du nom de l'école de magie d'Elentil. On va tout de suite aller sur cette application et comme je vous ai dit, allez la tester. Elle est compatible iOS, elle est compatible Android et franchement, l'association Mes Mains en Or, c'est vraiment une association en or. Ils ont fait un travail depuis des années sur des livres adaptés en braille. Aujourd'hui, ils s'attaquent à tout ce qui est donc développement sur les différentes plateformes. Encourageons-les. Encourageons Caroline dans sa quête. Elle est vraiment extraordinaire à connaître. Je vous mettrai le lien de la page dans la description des Mains en Or. Et voilà. On va tout de suite donc aller voir l'application. Vous allez donc sur Play Store et sur l'App Store en même temps que moi télécharger cette application. L'école de magie d'Elentil, c'est parti. Élantil. Et surtout, pensez à bien partager cette application, pensez à bien partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent voir l'évolution, le travail de cette association, Mes Mains en Or, des livres pour les enfants non-voyants et malvoyants. Élantil. Donc, dès que vous lancez l'application, vous désactivez le voice-over. Élantil, voice-over désactivé. Tu as le choix. Si tu veux écouter le règlement de l'école, fais glisser ton doigt vers le haut. Si tu préfères accéder à l'histoire, fais glisser ton doigt vers la droite. Pour accéder au sommaire et sélectionner le chapitre que tu veux, fais glisser ton doigt vers le bas. C'est à toi. Allez, on peut même faire cela les yeux fermés tous ensemble et nous allons donc découvrir l'école de magie des lentilles. Bienvenue à l'école de magie d'Elentil. Elentil. Si c'est possible, demande à quelqu'un de rester avec toi pour t'aider à bien comprendre les consignes. Cela ne prendra que quelques minutes. Pour te préparer, nous allons te demander de reproduire quelques gestes sur la tablette. Si tu entends ce son, c'est que tu as réussi. Sinon, recommence. Tu es prêt? Avec la pulpe de ton doigt, tape doucement sur l'écran. Maintenant, tape trois fois sur l'écran.
Maintenant, pose ton doigt sur l'écran et fais-le glisser doucement vers la droite jusqu'à dépasser de l'écran. Maintenant, fais glisser ton doigt vers le bas. Maintenant, plus difficile, pose deux doigts côte à côte sur l'écran et écarte-les doucement. C'est grâce à ces gestes que tu pourras effectuer des choix. Tu en découvriras d'autres au fil de l'aventure. Maintenant, nous allons t'apprendre trois gestes qu'il te faudra mémoriser. Ils pourront te servir à tout moment pour revenir en arrière. Tout d'abord, si tu as été distrait pendant l'histoire et que tu veux réécouter le dernier passage, fais glisser ton doigt vers la gauche. À toi. Souviens-toi, si tu souhaites réécouter la consigne, tape deux fois sur l'écran. Maintenant, pour revenir au menu principal, pose ton doigt sur l'écran et maintiens-le appuyé. Tu as le choix. Si tu veux écouter le règlement de l'école, fais glisser ton doigt vers le haut. Si tu préfères accéder à l'histoire, fais glisser ton doigt vers la droite. Mes mains en or présentent l'école de magie d'Elendil. Ce matin, le soleil pointe déjà le bout de son nez. Un matin comme les autres en apparence, mais aujourd'hui, quelque chose d'incroyable est sur le point d'arriver. En te levant, le premier chausson enfilé, tu manques de marcher sur une enveloppe glissée discrètement sous le pas de ta porte. Une enveloppe. Tu n'attends pourtant pas de courrier. Non, tu as beau y réfléchir, tous tes meilleurs amis t'ont déjà écrit pendant l'été. Qui donc peut te l'avoir envoyé? Pour l'ouvrir, fais glisser ton doigt vers le haut. En ouvrant l'enveloppe, tu trouves une lettre. Tu la sors d'un geste brusque, pressé de savoir qui t'a envoyé ce courrier inattendu. Mais alors que tu tires le papier, quelle déception! Il n'y a rien écrit dessus, rien du tout, pas le moindre mot. C'est une blague de très mauvais goût qui ne te fait absolument pas rire. Tu t'apprêtes à jeter l'enveloppe, agacé, quand tout à coup, des lettres d'une écriture très ancienne apparaissent comme par magie.
C'est une lettre de l'école de magie d'Elentil. Et il semblerait que tu aies été choisi pour devenir un de leurs élèves. Tu sautes de joie. C'est une chance formidable pour toi. Là-bas sont formés les plus grands sorciers. Accepter l'invitation et te rendre à l'école de magie, tape une fois sur l'écran. Voilà, donc on va pas aller plus loin, je vais vous laisser découvrir cette magnifique histoire sur l'école de magie Elentil. Une application accessible aux enfants aveugles, aux enfants malvoyants, accessible sur Play Store, accessible sur Android, accessible sous iOS. Il n'y a pas énormément de livres, d'applications comme cela, aussi et autant accessibles pour les enfants en situation de handicap. Alors partagez cette vidéo. Si vous connaissez autour de vous un enfant malvoyant, un enfant non-voyant, dites-lui qu'il existe l'école de magie d'Elentil. Dites-lui qu'il existe l'application l'école de magie d'Elentil, une vraie application accessible, développé par l'association Mes Mains en Or à Limoges. Encouragez donc cette association un maximum. Faites passer le message. Achetez cette application à 3,49€. Partagez cette application au plus grand nombre. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi Caroline d'avoir œuvré pour les personnes déficientes visuelles en France et dans le monde. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et de partager cette application. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Abonnez-vous à la chaîne Vision Hightech qui met en avant l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles, aux personnes handicapées en général. Partageons notre savoir et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, tuto, unboxing ou présentation d'application. Salut à tous !